Et bonjour tout le monde, c'est Moza. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, je suis pas tout seul, je suis avec deux de mes fils. Et oui, parce que bah voilà, maintenant c'est mon fils, on l'accepte comme il est. Même s'il est pas parfait, bah voilà, même s'il est un peu déformé, même s'il a une calvitie à son âge, même s'il sait pas trop parler, même s'il sait pas compter, même si, même s'il est pas, voilà, il est pas très beau, même s'il est un peu bête, même s'il est un peu aveugle, même si c'est un voleur, on l'accepte quand même. Non mais c'est bon, on t'accepte, même si t'es pas parfait, personne n'est parfait, Bertrand, t'inquiète pas, t'inquiète pas, Bertrand, allez viens, on va, aujourd'hui on a des trucs à faire. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, téléchargez Carlotte Management dans la description et téléchargez Zeyar Coming, c'est important les amis. Donc voilà. Pourquoi je rigole? Parce que je suis en train de me retenir de roter, mais il y a un truc qui va sortir les amis dans cette vidéo. Ça va être un monstre, je vous le dis. Je peux pas vous donner de timecode. Vous attendez la fin de la vidéo. Bref, la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé un truc d'assez important. C'était qu'au centre-ville, il y avait une fissure. Il y a eu une fissure qui s'est déclarée dans la ville. Donc, on va aller voir si... Allez, attends, moi, il faut que je te montre un truc. Viens, attends, il faut que je te montre un truc. Je voulais te montrer un truc. Ok, bon, allez. Vas-y, on va aller voir. Allez, on arrête de blablater. J'en ai trop marre de parler. C'est quoi ce fil-là? Il va où? Oh, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Non, non, arrête, c'est Ok, ok. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je sens que t'as fait une grosse bêtise là, Bertrand. Il va falloir que tu m'expliques. Mais non, t'inquiète pas. Regarde, viens suivre moi. Ok. Tu m'amènes où là? Je peux pas trop t'en parler. Je peux pas trop t'en parler. Tu comprendras. D'accord. D'accord, d'accord. Je te fais confiance, Bertrand. Maintenant, t'es mon fils. Un père doit faire confiance en son fils. Alors, attends. Ah, regarde dans cette direction. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. C'est quoi? Il y a un nouveau bâtiment? Il y a un C'est un nouveau magasin? Non, bah, tu comprendras plus tard. Attends, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir, on peut aller voir de plus près quand même. Ah non, ouais, si tu veux alors, vas-y, on est un tout petit peu plus proche, pas beaucoup. Comment ça, un tout petit peu plus proche? Qu'est-ce que c'est? Pas trop vite. Ça me dit quelque chose. Pas trop regarder. Pourquoi on doit pas, on peut pas? Parce que ça c'est la surprise pour à 17h là. Ce ah oui, à 17h. Oh, attends, j'aurais pas dit aux abonnés. Ouais, mais attends. Oui. Les abonnés, de 17h à 20h aujourd'hui, donc ce samedi, le jour où je poste cette vidéo, de 17h à 20h, je ferai un live un petit peu spécial. Et du coup, tu veux que je présente en live ça? Oui. Waouh. 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 Oui, d'accord, ok. Les amis. Oui, ce soir, il faudra le présenter. Ok, d'accord. Eh, c'est impoli de roter en vidéo. Hein. Moi, tu vois, je me retiens. Moi, je me retiens. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bon les amis, c'est comme ça qu'il faut dire. Du coup restez bien jusqu'à 17h les amis. À 17h on va voir ce qu'il y a là dedans. Et en plus on va faire un live bien sympa de 17h à 20h. Donc voilà, est-ce qu'on va on va au centre-ville, on va vérifier les fissures. T'es sérieux quoi? T'es sérieux quoi Bertrand? Eh hey, franchement je t'ai dit ça. Je t'ai dit hein, d'arrêter d'être mal poli. Pardon, je n'ai pas fait ça. Vas-y, on va voir les fissures. On va voir les fissures. Et je parle pas de celles que j'ai dans le... Ouais, les gars. Alors, les fissures. Donc... Oh non, mais Diego, tu vas pas t'y mettre. Putain, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, les amis. C'est vraiment pas... C'est... Non, non, Diego, là, c'est trop, là. Là, c'est trop. Diego, il... c'est n'importe quoi. Bon, les amis, alors, on avait mis des repères pour savoir si les fissures allaient être plus grandes. Est-ce que vous constatez quelque chose, là? Non. D'après la circonférence de Potalamus, non. Ok, bah on va continuer et vous allez commenter un petit peu, ok? Est-ce que là, c'est bon? Oui. Je crois qu'elle est très belle. 3 de longueur, 1 de large. Pas mal. Ouais. Là, ouais, mais le principal c'est que c'est pas trop bougé quoi. Oh, en vif, hein, ça bouge en vif. Bah, on a mis des repères et ça c'est pas. Ça a bougé en vif, ça veut rien dire en plus. Eh, vas-y Bertrand, tu me saoules.
Là. Non, là c'est trop là. Là c'est trop. On avait mis des repères. Ah mais attends, regarde. Ah oui, elle s'est augmentée vers là. Celle-là, elle a augmenté. C'est quand Bertrand est de s'approcher, il a fait bouger les trucs. Attends, et là. T'as vu celle-là? Ah ouais, celle-là, elle a beaucoup augmenté. Attends, on va mettre des repères, mais cette fois-ci, on met des repères jaunes. Pour dire qu'elles ont augmenté de là à là, quand même. Et là, elles ont augmenté de là à là. Ok. Oh, il y a des trucs blancs. C'est quoi? C'est quoi ce truc? Ah ouais? C'est quoi? J'avoue, c'est quoi? Attends, on va voir après, les gars, on va voir après. D'abord, on va voir là. Donc là, ça bouge pas, là, ça bouge pas. Bertrand, la prochaine fois que tu refais ça, je... Bertrand, tu refais ça, je... Vraiment, je t'invite plus dans les vidéos. Hein. Pardon, excuse-moi, ça sort tout seul. Ouais, les gars, donc, du coup... Ouais, là, ça a pas augmenté. Et là-bas... Non, mais non, le bâtiment, il se serait fissuré. Ok. Ah oui. Donc, c'est vraiment ici. D'ailleurs, il y a un truc bizarre, c'est vrai, il y a un truc bizarre. Non, là, c'est trop, là. Là, c'est trop. Est-ce que vous voulez qu'on creuse autour pour voir ce que c'est? On dirait de l'os. Vous trouvez pas? On dirait des os. Si, si. Attendez. C'est ce qu'on a dans le corps. Ouais, c'est ce qu'on a. Ah, mais attends, mais c'est énorme. Wesh, on a trouvé un fossile ou quoi? Oh là, oh là. Attends, vous avez cassé, faut remettre là. Attends, papa, mais je reviens. La dernière fois, on n'avait pas trouvé des ossements dans la ville aussi, un peu plus loin là-bas? Ah on si, avait trouvé... là où il y avait la maison du grand-père quand on a aménagé. Justement, c'est pour ça. Mais oui, c'est ça. Quand on a aménagé dans cette ville, le grand-père il se sentait pas bien parce qu'il avait sa maison là. On a creusé en dessous, il y avait des ossements. Donc, purée, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Vraiment, je me sens un peu ballonné, les amis. Je suis vraiment désolé. Hein. Tiens, papa, j'ai trouvé des pioches. Pioche alors. Mais attends, mais c'est énorme. Merci. Ah ouais, là ça va être plus simple. Attends. Je suis en train de me dire que. On est en train d'agrandir la fissure, on est un peu bête. Ah ouais? Merde! C'est pas grave! Ouais, c'est pas grave. Mais papa, c'est hyper grand! C'est un fossile de Tyrannosaurus Rex! Tyrannosaurus Rex? C'est un hypothalamus, j'en suis sûr. C'est un hypothalamus. C'est un anus. Hypothalamus, oui. Ok. En plus, on parlait de fissures, ça tombe bien. Non, mais non, mais là, c'est trop là. Diego, faut que tu t'arrêtes. Hein. Non, Diego, vraiment, franchement, faut que tu t'arrêtes là. C'est trop. C'est mal poli pour les abonnés. Je suis désolé, on s'excuse, les amis, mais vraiment, c'est vraiment pas voulu, les amis. C'est vraiment pas voulu. Bertrand qui a commencé. Ouais, j'avoue, c'est Bertrand. Non, c'est moi. Après, je me suis dit, je me sentais pas bien. Les gars, il est ballonné. Je suis un peu ballonné là. Faut boire du coca comme ça, ça fait roter. Bah justement, c'est... Ah mais j'ai bu du coca. Mais ça se trouve, c'est ça. C'est à cause de ça, peut-être. Bon, moi aussi, avant la vidéo, j'ai... Mais non, les gars, le coca, ça fait pas roter. Arrêtez de dire n'importe quoi. Oui, mais t'es bête ou quoi? Le coca, ça fait pas roter. Les amis, le coca, ça fait roter. Dites-moi en commentaire, mais le coca, pour moi, ça fait pas roter. Papa, par contre, c'est bizarre, ça en dirait des grosses fourchettes. Comment c'est... Où tu vois des fourchettes, toi? Bah... Je crois que c'est bon, là. Ouais, mais c'est un ossement de dinosaure. C'est un truc de fou. Oui. Ça me fait penser à des trucs. C'est un truc de dinosaure. Il a une malformation, le pauvre. Quoi? Ici, regarde. Il a un trou dans l'os. Ah ouais. Ah, il a pas mangé assez de calcium. Ouais. Il a pas mangé assez de calcium, merde. Il a pas respiré assez de lait. C'est une fille ou une femme? C'est une femme. Tu vois bien que c'est pas une fille, Diego. Ah. Il est bête ou quoi, celui-là? Sinon, il y aurait genre ça, quoi. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ok, bah, c'est un peu bizarre, mais... C'est un peu bizarre, mais ok. C'est un garçon, les gars, c'est un garçon. C'est bon, c'est un garçon. Mais moi qui me partie du corps. Hop, non mais on lui a déplacé quelques os, il avait des vertèbres un peu en vrac. Ok, remontez les gars, parce que là si la faille elle se... Non attendez, je vais faire un chemin pour remonter.
Ok. Ah, j'espère qu'on va pas fragiliser le truc, hein. Faut mettre des barrières. Ok. Ah oui, alors j'ai tout plein, un arsenal de barrières, si tu veux. Un arsenal de barrières, mais tu... Oh. Il la DDE ou quoi, frérot? Il ramène des greniers. Il a cru que c'était la DDE, ici. Je me prends une barrière, c'est tout, hein. Je travaille pas sur les autoroutes, moi. Il y a marqué Vinci sur ma tête. Bon, non. Bah ouais, hein, pourquoi pas. Alors. J'ai dit une bêtise. T'allais dire quoi? Non, dis rien, t'allais dire une bêtise. Hop, voilà, c'est bon. Ah bah, il y a deux types de... Ouais, c'est... Au moins, là, le principe... Bah, on peut enlever ça, du coup. Ok, ouais. Le principal, c'est que personne ne tombe à l'intérieur. Parce que, bah, c'est quand même assez haut. Bon, bah, les amis, on ira faire analyser ça par un expert en dinosaures. Donc, voilà, vous me direz en commentaire s'il y a des experts. On vous fera... dites-moi de quand ça peut dater et tout. Pour moi, ça me fait penser, bah... Bah, pour moi, comme c'est une femme, peut-être que c'est peut-être la daronne de Bertrand, mais ça, c'est à voir encore. Il faut envoyer ça pour des analyses, parce que on a retrouvé son daron, mais la daronne, bah, justement, c'est peut-être elle, en fait. On ira demander à Christopher. Les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, les amis. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Téléchargez les deux jeux qui sont dans la description. Ces deux jeux mobiles sont totalement gratuits. Et ça permet de me soutenir. Donc voilà, bonus. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymose pour servir. Allez, ciao.